Excellences, Monsieur le Premier ministre du Sénégal, Excellences, Monsieur le Premier ministre de la République du Congo, Madame la ministre des Sports de la République française, Monsieur le ministre des Sports de la République du Cameroun, Monsieur le ministre des Sports du Tchad, Monsieur le ministre des Sports du Maroc, Monsieur le ministre des Sports du Gabon, Monsieur le ministre de la Culture d'Haïti, Monsieur le ministre de la Culture d'Ivoris, Monsieur le ministre des Sports du Niger, Monsieur le vice-ministre de Djibouti, Monsieur le chargé d'affaires Haï de la Roumanie, Madame la ministre des Sports de l'Arménie. Nous souhaitons aussi et surtout accueillir parmi nous Madame l'administratrice de l'Organisation internationale de la francophonie qui nous honore donc ce soir au même titre que tous les invités pour cet événement exceptionnel. Vous l'aurez compris, les 9e Jeux de la francophonie ici même à Kinshasa. Le changement de narratif, le changement de paradigme, le changement de perspective de la République démocratique du Congo se confirme ce soir à l'aune de cet événement exceptionnel qui réunit la grande famille francophone. Vous l'aurez compris, à travers le sport, à travers la culture exaltée par la jeunesse et son talent, nous allons durant quelques jours ensemble célébrer à l'unisson cet idéal au sein de cette communauté de valeurs que constitue l'espace francophone. La République démocratique du Congo, vous l'aurez compris, est dans une sorte d'alignement des planètes. Certes, inscrit à l'agenda international, mais serais-je tenté de dire que c'est l'international qui est inscrit à l'agenda de la République démocratique du Congo. Nous devons le rappeler avec force ici même. La RDC a été victime.
bien, c'est simplement la région de dimension.